On tolère pour 7 fois. Peut-être pour 8 fois. Non, non, c'est juste l'image qui est la même. Et c'est un miroir d'Id. Mirror. C'est un match pour le meilleur Jin de France. J'appelle que le tenant du titre de meilleur Jin de France est Fireblade. Est-ce que Benjamin 34 c'est bon, c'est placé, pourra le récupérer. Oh, la tête marque de respect. C'est ça qu'on veut voir. Tapez-vous, mais aimez-vous quand même. C'est top d'amour. This is Fireblade. So it's been a while. I did an offline tournament 9 days ago, and the name of the tournament is Le Link Montpellier. It's in the south of France. It's next to Marseille. So I missed those times. This tournament offline times. I felt a lot of emotion, good emotions. Saw a lot of friends. It was a really good time, and now we're gonna do more offline tournaments, so that's cool. I'm really hyped for this, and I won't tell you, I mean I will tell you, okay, I arrived 4th place. I could do better, so you're gonna see all of my matches on this tournament. If you want to see the full tournament, it's gonna be down in the description, down in the description. Gonna be always my Twitch account and my Twitter. Okay, guys. So appreciate it. Take care. Bye bye. Allez, donc après Fireblade contre Judy Frost, ça part en winner Carter. Y a moyen. Juste après, c'est moi normalement. Non, du coup, je vais te laisser, je vais aller faire pipi. Vas-y, vas-y, va t'asseoir, t'inquiète. Ok. Moi, je prends ensuite au pire. Fireblade ? On n'a pas une foule très hostile pour le moment. Mais ça ne saurait tarder quand Fireblade va mettre le feu dans la salle. Voilà Fireblade qui déroule son matériel, son matos. Ah non, c'est Link. Je t'ai pris pour Fireblade, voilà, je te le dis. Il ou Fire, voilà. Il s'appelle déjà quoi, il s'appelle, j'ai oublié son prénom. Qui ça? Judy Frost. Nerfé à front rude. Alors, on aura donc Fireblade Marseille contre Lyon Shoji Frost. Donc, à mes souvenirs, Shoji Frost, je l'ai vu jouer pas mal de persos et lui-même, je sais pas s'il a un main, mais je pense qu'il nous réserve quand même pas mal de surprises. Déjà, c'est un asiatique, donc il part avec déjà. Un bonus. Déjà. Voilà, Fireblade fidèle à ses couleurs, le masque de feu. Donc, Shoji Frost. La veste de feu, le masque de feu, le tatouage. Un espoir lyonnais, sûrement. Un jeune espoir lyonnais, donc on encore une fois, bon la jeunesse contre. Contre les vieux, eh oui. Comme exactement. Il faut leur apprendre, leur montrer la chaîne alimentaire à ces jeunes. Il faut surtout buffer Jin. Ouais, on va le voir. On va pouvoir le constater. À quel point. Ouais, go. Vas-y. De quoi ? Donc trêve de bavardage, Dayton Jin qui va aller jouer. Pourquoi pas ? Ah mais je joue pas sur stream, non, je suis déçu. Je pense qu'ils vont faire glisser là. Ouais. Le problème c'est qu'après, c'est pourquoi je joue maintenant, parce qu'après Link il va passer, si je gagne je vais affronter Link. Et du coup je passe deux fois. J'ai pas envie hein, je supporte pas ça.
Ah, ça va être intéressant. J'espère juste qu'il sera pas streamé par contre. Moi j'espère qu'il sera streamé. Non, non, non. Je vais me faire un plaisir de te regarder sur le stream. Donc allez, Dayton Jean, qui a mieux à faire, il a d'autres chats à fouetter. Donc vous allez rester avec moi, Bambi. Et je crois que je serai accompagné. Peut-être E-Link, je sais pas. Voilà le champion, on est là. On va le féliciter. On va le féliciter. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Ah, Negan, intéressant. Intéressant, Negan. Negan contre Jean. Ah ouais? Non, ça va. Question d'habitude. Avec la suite? Non, ça va. Au calme. Alors. Fireblade. Oh, faut mettre le masque, non? Shoji Frog, voilà, ça va. Oh, ça va alors. Il faut être. Respire, respire. Corporate, respire. Corporate. Respire, respire. Ok, ok. Fire contre Shoji Frost. Très bien. Tu connais Negan? Je connais très bien Negan. Eh ben, moi, je connais très bien Jean. Alors, du coup, c'est bon. Ah, bon. Bah, du coup, c'est pas bon. Mal, pas mal. Un petit Negan, le F4Z, cancel. C'est parti. Fire, on le connaît. Il commence très fort. Déjà, l'agressivité, l'agressivité. Oh, le petit lot là qui fait plaisir, ce lot de Negan. Hein. Il y a plus 3 ou plus 4, je crois. Plus 3, ouais. Ouh, joli vous finish là de la part de Shoji Frost. Allez, il met la max, il l'amène pas au mur, il préfère. Il l'amène pas au mur, il préfère dégâts. Faire un plus de la fin. Allez, le Fireblade qui trouve le 4 counter, il va ramener gentiment au mur et bloquer son adversaire au mur comme il aime bien le faire. Ouh, le petit 2-1-4 là dans le vent. Électrique DF1, DB4. Directement une pression monstrueuse, ah ouais. Qui s'abat sur Shoji Frost. 1 plus 2 ouais, direct DB4, après DB4. En fait, il a fait DB4 en hit, si tu oses bouger ou taper, tu prends le 1 plus 2. Ouais, ouais, ça donc c'est des petites phases qui. Ouh, max range là, le sweep là. Qui fait en mouche. Oh, joli, bah c'est dommage. Hein. Allez, Fire, là il donne tout, il a pas le temps. Il whiff un électrique, il balance en relevé de derrière. Donc là, clairement, il agresse son adversaire. Allez, direct, il répond avec un coup évasif, il s'en sort direct, il ne lui laisse aucune miette à Shoji Frost. Il ne veut pas lui laisser imposer son jeu. Il a, essayé, voilà. Il a fait DF2 derrière Zen. Shoji Frost qui n'a pas interrompu le Zen, c'est dommage. Il se sent un peu acculé là, il step pas beaucoup, il a un jeu très linéaire là pour l'instant Shoji Frost. Shoji Frost, pardon, ça serait bien qu'il essaye de step un peu. Oh là, bah, le F4 counter là qui te ramène direct à la réalité. Hein. hop, oh là, il drop le combo, ouh, dommage. Oh, il a voulu parier le coup de batte Fire. Attention! On veut. Du son? Du son! On veut du son. La régie en sur. Et ah voilà! Voilà. On a du son! Incroyable! Oula! Il a raté! Il a chopé un qui a été. Qui a été raté. Ouais. Oula, ça. Oula, DF2, bah, ça tue. Il vient carrément de se suicider dos au mur. Ouais, ouais, ça tue. Donc, Shoji Frost, qui n'est pas rentré dans son match comme il l'espérait. Non, et je trouve que pour l'instant, il faudrait qu'il. Il essaye un peu plus de stepper parce qu'il joue très linéairement et Fire, et du coup ça lui laisse toutes les portes à mettre la pression en fait. Alors là, de toi à moi, Fire il a laissé rien faire. Ouais, ouais. C'est tellement dur de commenter les matchs de Fire parce que ça va tellement vite. Oh, Fire, le masque en feu, j'avais pas vu. Aïe. Ouh, le masque en feu, Fire. Hein. Attends, Fire qui connaît bien le masque en feu. Ah ouais, c'était. Il affronte beaucoup Fuxang. Donc le Shoji Frost il a intérêt à ça s'accrocher. Prestige. Après, il affronte beaucoup Fuxang, mais. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, voilà. Joueur... Ah, bah le joueur B. Que voilà, joueur exact, B, exact, exact. On connaît la. Tu connais la bail, hein. Sinon, DJ Ghost aurait jamais battu Tissiumon. Alors. du coup. Allez, Shoji Frost, qu'est-ce que ça va donner avec Steve? Du B1, sûrement. Oh là, il a fait DB4, là. Non, c'est pas DB4, c'était DB3, je crois. Allez. Ça y est, il y a plus derrière, il tape pas, c'est bien. Donc Fire qui ne se laisse pas impressionner par le match-up Steve. Il rentre dans l'art quand même. Sans aucune hésitation. Fait parler la foudre, le petit 4. Le DF2 qui part en 100 hits. Allez, Fire, oh là putain, mais c'est ce. Oh là là, le D4. Ich, je relevais un 2. Allez, B3, 1-2. Wouh! Allez, Shoji Frost, il a dit stop. Il a dit c'est bon, c'est à moi. Oh non, dommage. Putain, il pouvait essayer de revenir au dégâts là. C'est bien, il est revenu au niveau de la vie. Et allez. Ouais, il s'est bien baissé là, Fire. Un petit relevé 2 des familles. Allez, F4 counter. Hop, Fire il déroule, il déroule. Bien puni ça. Et au moins 14. Bien puni ça. Il est prêt. Allez, DF4, ouais. C'est pas puni, c'est, non. C'est moins 13. 12, mon ami. C'est moins 12. Allez, ouais. Bon, hop, ça a été nerf incroyable. Ich, allez, ça riposte. Oh non. Putain, oh, je suis déçu. Ah ouais, la
Fire qui déroule. Ouais, il déroule, il déroule. Ça il a mon coup binaisé. Shoji Frost, il est dans les démons. Ça voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Ça va pas être facile pour Shoji Frost de remonter la pente. Oh, il a fait des bacs d'Agen là, j'avais jamais vu ça. Oh là, bien joué ça. Donc là, Fire est complètement dans son match. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des healies. Oh là, ah ouais, là, ouais. Là, bah là il déroule. Là, il est confiant, Fire. Une avalanche de karaté. Oh, c'était moins 10. Moins 10, ça c'était pas sur Shoji Frost. Une avalanche. Oh, il peut tuer avec le mur, ça peut arriver au mur ça? Oh non, trop loin. Bon, en même temps, s'il finit pas ses combos aussi. Allez, le Rage Drive peut-être pour se dépatouiller d'une situation. Ouais, le Rage Drive, il peut gagner là. Rage Drive, il le fait whiffer, Rage Drive, c'est fini. Bon. Fireblade. Bah, apparemment, non. Il n'hésite à aucun moment pour lancer son CD4 et crucifier Shoji Frost de 2-0. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Il décide quand même de rester sur Steve. Il a confiance. Mais je pense que c'était déjà un peu mieux avec Steve qu'avec Negan. Hein. Voilà, je pense que c'est plus son main. Ouais, je pense que c'est plus son main, Steve. Il se débrouille mieux dans le match-up déjà. Après, il y a le match-up Fire hein, à travailler. Match-up Fire, pas facile à appréhender. Non, le match-up Fire, il est compliqué. Hein. Là, je te cache pas que. Pas facile à appréhender, surtout en tournoi. Ouais, ouais, il arrive vite. Hein. C'est le jeu super agressif. Ouais, il faut punir ça. Ouais, c'est bien puni. Oh là là. Ah voilà! Du berger à la bergère, le petit pari qui passe, ça fait plaisir ça! Oh! C'est ouais, clairement! Oh là là, il fait des bacs d'Agen! Les bacs d'Agen! Il y a sa meuf qui est en train de le jouer, donc il est totalement en confiance, oh là, il peut l'impressionner! Il rigole zéro là, c'est la famille! Oh! Il a tapé! Peut-être un pari manqué! Un pari manqué en counter? Ouais! Essaye de taper ça... Ah tu penses qu'il a voulu taper en pensant que le pari était passé? Il a essayé de parier et qu'il a mis ses bouts. Ah parce que j'avais peur, je croyais qu'on était dans Soul Calibur. Oh là là, mais là Shoji Frost il m'a l'air mieux dans le match. Oh non, dommage. Allez, il faut pas se laisser avoir. Ouais, bien joué ça. Mais la pression, relevé un. Oh, il a retapé. Mais là il a fait la Rage Drive. Bravo. Bien joué ça. Putain, il revient bien. Fireblade qui va mettre la quatrième vitesse. Allez. Bien joué ça. Il connaît la base. Bien joué ça. Oh, voilà le petit pari, FF2 garantie, DB4. Allez, natural combo, la chop à 1, B2-1 peut-être. Non. Ouh, bien, joli relevé 4, là un tirage drive. Ouh, il aurait pu partir là. Faut qu'il fasse gaffe au rage drive Fire. Ouais, ouh, bien, joli, bien patient Fire là. Il a attendu, B2-1 tranquille, dans le F2 whiffé. Ouh, bien joué ça, joli whiff finish. On dirait que Shoji Frost petit à petit reprend du poil de la bête. Est-ce que ça sera suffisant? J'aime bien ton jeu de mots, Bambi. Allez, ça se cherche, ça se cherche. F4 à hit, DB4, t'as la reine du DB4. Oh la Zen 1 plus 2 qui va sortir. Oh la conversion du combo, dommage. Il n'y avait pas le mur au fond. Le relevé 4, un 4. Allez, arrière 2. Fireblade qui ne venait pas. Balle de match pour Fireblade, hein. DB4. On répondait déjà, DB4. Il veut lui casser les genoux, il lui casse les genoux. Ouh, le pari qui est pas passé, c'est bien puni, la chope déchopée. Ouh là là, F2. Oh le combo, bien joué. Ouh, dommage, il a préféré sécuriser avec FF2. Dommage, il a pas rattrapé une flotte. C'est pas de kill de la part de Fireball DF1-2 qui aurait pu changer. Ouh, joli finish, le Sunny Fang. Ça va ramener au mur, ça va le ramener dans. Ça le wall, ça va casser le mur, FF2. Non. Ça déchope, DF1-2. Le Rage Drive peut-être de Fireblade. Et le CD4. Non, le CD4, la Fire Balayette. Rajar, pardon. Ça touche, et ça touche. C'est terminé. Ah, et ça tue. Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. C'est terminé. Ah, ouais, bah si, c'est pas. Bien joué, Fire Blade. Dommage, il aurait dû prendre Steve dès le début. Bien joué à Fire. Voilà, Fireblade. Qui est rentré carrément dans l'art de son adversaire. Une avalanche de karaté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a pas laissé faire. Oh, incroyable. Incroyable du. Ah, incroyable, c'est fou. Ah oui, du coup, Fire qui a pas du tout les effets. Hein. Voilà, il a dit j'ai pas le temps, je vais arriver en finale. Je mange le micro, excusez-moi. Et je prends l'autoroute. Exact. Et du coup, le prochain match, qui c'est? On n'a pas encore. On n'a pas encore le prochain match. C'était un beau match, mais je pense que Shoji Frost aurait dû prendre Steve dès le début. Hein. Je pense que Negan a été une erreur. Hein, parce que. Le Fire Mask. Il est là, le Fire Mask, qui va commenter. Le micro est là, par contre. Ouais, super. Tu vois, c'est confortable, on a un micro. T'inquiète, je me suis juste. On a un micro. Bonjour alors, les amis, comment allez-vous? Évidemment, il est poli.
Moi je vais bien. C'est vrai. On a vu, t'as sué un peu quand même. Hein. Ouais, t'as sué du cul, hein, parce que moi j'ai commenté ton match. Tu t'es fait, tu te sentais plus et tu t'es fait revenir un peu. Ouais. Ça a été un peu compliqué. Ah là, ouais, mais il aurait dû jouer Steve dès le début. Hein. Il aurait dû jouer Steve. En fait, je crois que c'est dit, non, il connaît déjà très bien que notre Steve, alors il a pris Negan au début. Ouais. Mais heureusement que ça s'est passé MCI. Voilà, c'est ça. Donc là, on a Me First contre Kuroten. Bah du coup faudra trouver quelqu'un d'autre. Mais non, mais sinon je peux commenter tout seul, moi ça me dérange pas. Écoutez, ma voix peut en compter deux. Oui, tu m'appelles quand tu veux, t'es pas de soucis. Ouais, ça va, tu me dis, je sors. Écoutez, on va se retrouver en... Hein ? J'en ai une. C'est gentil, merci. Oh là là, la régie aux amours, on me propose de l'eau gratuite, en plein Montpellier, vous vous rendez compte ? Avec ici, il fait une chaleur... il fait très chaud. Kuroten contre Miforce. Ouais, il y a du monde, et puis on est dans le sud de la France. Je vous envie, vous qui habitez à Brest, à Metz ou à Lille. Je pense que votre temps n'a rien à envier à celui qui s'y. Donc alors Kuroten qui a pris son main, donc Ayashi et Wari qui a pris son truc. Alors, du coup, voilà, arrière 3 de Wari qui passe. Oula. Ah, Kuroten qui passe un premier counter. F2-3, ouais, ça amène au mur carrément. Voilà, ça va faire un peu mal. 1, 2, 3. Voilà, comment on va se relever Me First, doucement, tranquillement. Ouais, joli bagdage de la barre de Kuroten. Hop là, F2-3, putain, le joli step. C'est bien puni, oh là là, monsieur, ce jab, 1-1-2. Écrasement ensuite. 1-1-2. Wall splat, le petit écrasement pour finir le round. Attends, on est au premier round, on va aller voir. Ce sera plutôt à la fin de ce match que ça commencera à devenir intéressant. Un petit whiff, dommage. Okay. Oh là là, ouais, ce whiff finish direct là parce que Kuroten lui a fait. Bon, écoute, mec, tape dans le vent, vas-y, je te montre. Oh là, le running throw qui cache pas le mur. Ouais, voilà, bien puni. Petite punition, c'est bien la balayette. Le running 3, 4. Voilà, ça va finir, bien joué. Oh, ça finit avec un 2. Ensuite, de l'eau. Le step 4, des 4. Ça pique à petit feu. Arrière 4. Il a essayé de punir arrière 4, quoi. Voilà, ça mix. Petit poke encore. En rage, Yashi, attention. Ouh, il a pas rattrapé avec UF3. Ça poque, ça rebond. Ouh, la rage drive, et ça va tuer ça. Ça risque de tuer. Ah si, ça tue toujours. Tac. Oh, le DF1. Ah, dommage. Oh, il aurait dû faire F3 plus 4. Ouais. 2-1, ça tue. Hein. Il a pris des risques là, Kuroten. C'est une opportunité pour Miforce de revenir. Là, maintenant, Miforce là, flop. Il va rattraper au mur. Un petit doki. Oui, oh, dommage. Oh, le D1 là. Ah, ça fait quand même pas mal. Ouh, UF3. Oh le jab, t'as vu ce jab, t'imagines tout le tout comment il fait. Oh là 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 là, bien joué ça. Oh là là, mais c'est bien joué. Oh, il a voulu le mix. Ok, la punition. Ouais, punition en 2-2, c'est... C'est bien, il aurait pu faire mieux, mais c'est bien. En rage, ouais. Oui, pardon, en rage. Oh, FF2, ça va tuer ça. Et là, hop, l'écrasement. Kuroten qui a déroulé, qui lui a fait comprendre qu'on jouait pas au même jeu. Là, ça va être Ouais, ça va être tendu de la part de Me First. Attention à son approche. Là, c'est 1 pour Kuroten. La régie qui suit. Ah, le DB4. Ah, oh là, bien vu ça de la part de Kuroten. Oh là, FF2. Il a tout pris. Il a tout pris. Allez hop, ça ramène au mur. Attention à Loki. Il a raté le combo. Ouais, il a raté le combo. Joli, on reprend un peu l'avantage avec des jabs. Voilà, oh là là, le couche électrique. C'était une bonne punition, bien joué. J'en attendais pas moins d'un japonais, évidemment. D'un japonais, DF1, excusez-moi, pour finir. On peut dire que c'est un japonais, ouais. Oh là, auto-GF direct. Tu vois, je t'avais dit. Impressionnant. Impressionnant. Oh là, il a raté en plus électrique. Ça en prend le mur. Ah ouais, là, Wari, il est dans le... Ouais, non, c'est attention. Oh, il faut mettre le masque. Évidemment, il faut mettre le masque. N'oubliez pas, même chez vous, mettez le masque. Chez vous, mettez le masque. Mettez le fire mask. Voilà, ça traîne. Vous avez des caméras, on vous voit chez vous. Ouais, ouais, ça déconne zéro. FF2, Lucky, elle peut pas punir. Ok, Mister Kick. Oui, oh, ça va prendre le round. Place en compteur, c'est parti. Est-ce que ça va déclencher ça va prendre chose le round, bien ouais, pour la ça suite va prendre... Avec qui charge de la confiance. Ah, il peut qu'il charge tout ce qu'il veut là. Je pense que. Il a raté. Il a raté. Il est tombé par la qui charge. Non, mais c'est pas grave parce qu'on regarde les dégâts. Hop là. Déjà la moitié de la vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Bah, point pour interceptionner, voilà. Oh, joli dé. Non. Ah ouais, si oui, ça passe, pas ok, ça existe. Je croyais oh là que. Là, il est passé au-dessus. Ah, il a voulu step, ça a quand même traqué. Il fait ce qu'il reprend. Là, ça reprend. Il a plus peur, la... ça y est. Ah, il se prend le câble. Oh, le dash électrique, il a pas respecté. Ah ouais, il a avancé direct. C'est qui est passé avant, ouais. Oh là, la guicharge, ça répond. Ah oui, ça répond. Mais ça, j'aime ça. Répond. Mais c'est bon. Oh là là, le F3 direct, il lui a dashé dessus, oh là là, F3. Ça. Il y a de la provocation dans l'air là, messieurs dames. Ah ouais, la guicharge. Oh là oh là, là deux fois déjà qu'il lui fait ça. C'est du mal. C'est qu'est-ce que c'est? C'est du talent. Vous pas, c'est ouais. Du talent. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas dire. C'est du talent. Okay. Et après, il faut taper dedans. Aïe. Ouh. Aïe. Oui. Oui. Tentative. Ouais, ouais, bien joué. Il a pas roue dashé derrière. Été patient, ouais. Il s'est dit, il y a des dingueries qui se passent, qui se préparent. Relevé 4 de la part de Hayashi, l'électrique dans la garde, le DF2. Voilà, ça gratte, ça fait là encore. Le rolling 3 plus 4. Garde la confiance de la balayette. Ah, il a, oh, il a dû il se baisser. A relevé. Et c'est fini, c'est fini. Il c'est a fini. Dû se baisser. Non, non, peut-être pas. Oh, c'est safe. Oui, il s'est baissé. Et c'est le final round. Oui, il s'est baissé. Effectivement, il s'est baissé. Hop là, qui charge. Évidemment. Il a bien delay son attaque pour pouvoir mettre le doute et il s'est baissé au dernier moment. Ouais, Kuroten qui. T'as mis Kuroten qui a des. Et voilà, déjà les. Il met force qui se retrouve moins de la moitié de la vie déjà. Oh. Il essaie de revenir avec des petits pocs. Et le DB2 qui passe. Relevé 4. Il est dans la merde, il faut qu'il sorte d'ici. Il a plus 8, mais non, on répète. Non, il un... Et t'as vu, il a fait. Oh là là, il a fait la tonte. Ah oui, il a eu une tonte. Mais c'est la tonte parce que Yaku, c'est coup après derrière. C'est un pari à la base. Ah, c'est un pari. Oui, c'est le pari, oui. Il chope le pied, c'est ça. Il chope tout, oui, mais après il met le pied, non. Pas les coudes, pas le genou, mais. Et les coudes et les genoux. Allez, il faut qu'on back là, il faut qu'on back. Tu marches sur mon micro. J'ai mes chaussures. Ouais, tu. 3 mètres. Avec tes fire chaussures là, c'est la fête, tu marches sur mon micro. C'est, ça, ouais. C'est la fête, tu fire, là, ouais, ouais. Là. Incroyable, c'est. Voilà, c'est réflexion, bon, mais réflexion de la part de Mi First là. Bah, ça fait 2-0 là pour Kuroten. Grosse réflexion. Hein. Kuroten qui. Voilà, voilà. On peut peut-être pas se relâcher. Ah, Kuroten, non, là, là. Il va pas se relâcher. Mais là, il se relâche pas. Hein. Ouais. Yo-yo. Ah, ça pop bien, ça fait le seul. Oh là là, ce lot là. Oh, bien joué ça. Impossible à voir. Oh là là. Hop là, encore. FF2 garanti, bien sûr. Oh, hop là, il refait. Oh là, il est full push. CD3. Ouh, DF1, bien joué ça. Oh. Waouh, wow, le coup de terre, ça fait mal. Ouh, le mur. Encore une chance de sortir de là. Oh, bon, alors là, il prend tout. Allez, encore un peu de courage. Un peu de courage pour Mishwart. Il pourrait peut-être faire quelque chose, un petit ça miracle. Ça fait mal, ça fait mal. Là, il est en très mauvaise posture. Ah là, Wari, mais first, pardon. Oh là, excusez-moi. Non. Excusez-moi, excusez-moi. On va pas divulguer les identités. Ah, il est dans le mal, il est dans le mal, le pauvre. Ah oui, puis même là, Kuroten. Voilà, c'est bien, ça pique petit à petit, ça devient. Ça joue plus défensif, c'est très petit bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Voilà. Comme on dit là, le jab bien confirme de la part de Kuroten. Le FF2 qui a bien testé PA, l'a relevé par Mi First. DB2, full crush DF3, c'est garanti. Le running 3. Ouh, waouh, il a pu se relever. Sur la rage drive, le 50-50. Oh, il a fait U3 dedans. La il a rien spécial de Mi First. Mais il en a rien à claquer. Et voilà. Qui charge, la petite qui charge, qui fait plaisir. Qui charge, de la confiance. 1-2. Arrière 1 plus 2 là de la part de. Oula, le double counter. Ouais. Par l'avantage de Chloé. Voilà, cette fois il s'est pas baissé. Ah, il a raté la punition de Just Prime. C'est dommage. Attention. C'est bien puni. Voilà, ouais, bien puni. Bien voilà. Puni ça, bien oh, où puni. Oui, c'est de qui, Rotten. Actuellement, je pense. Non, il a raté le combo. Et il a pas raté le combo. Ouh. Ah, il a plus de follow-up. Attention. Attention, il a plus la rage. Mi First, il sait quoi faire dans ces moments comme ça. Très patient. Oh, y'a. Électrique, électrique. Oh, oh là là, il s'en fout. Il a derrière la faire. Y'a pas de. Mais il a derrière à faire. Mais l'électricité. Mais arrêtez-le. Voilà, Mi First. Oh là 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 là, le joli. Oh là là, mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Il a tout. Ah ouais, il fait parler la foudre. Tout. Et les poussières d'étoiles qui ont jailli de son poing. Oh là là. Oh là là. Que c'est bien joué ça, mais putain, mais la vache. Oh là là, mais attends, mais j'ai rien compris. Mais en fait. Mais c'est un lot après ou. Oui, oui, c'est un lot après. Ah, bah, incroyable. Oh, oh Mi First qui répond encore. Là, franchement, il a besoin de le gagner ce round. Il a besoin de le gagner pour respirer. Parce que là, il y a. Il a besoin de gagner, mais Kuroten va pas le laisser faire. Oh là, le joli step. Il arrête pas, il est toujours rapide. Hop, hop. Il va taper derrière. La puissance du Japon. Oh, bien joué ça. Voilà, les petits procs. Les petits procs. Attention, il est en rage. Le Brokosh, il perd l'avantage. Bien joué ça. Attention. Attention, voilà. D4, D4. Allez, final round. Soit le premier match pour Mi First, soit le
la victoire pour Kuroten, arrière 4, on dash DF1-1, c'est pas deck, FF2 il peut pas punir de toute façon. Ligne 3, là, c'est il reprend un peu. Oh, oui, oh bien joué ça, bien joué. Il a répondu avec des jabs. Au mur. Le petit wall combo. UF3, là il a 0 okay. derrière un bloc. Okay, c'est solide. Arrière c'est en plus 2. First qui cherche, ouais, il faut les voir ça, il faut les voir les step 4 de Lucky Chloé. Hey, hey, attention, c'est pas fini, ce n'est pas fini. Ok, le mix-up. FF2 il peut pas venir de toute façon, il s'en fout électrique. Et Lolo et ça reprend. Bien joué Lolo. Ah, il faut qu'il là Kuroten là il a pris des step 4. Il faut qu'il arrive à voir les step 4, je vais voir un petit c'est coup. Le qui charge de la confiance, enfin, une nouvelle fois. Ok, donc le choix du niveau. Contre qui après? J'ai pas regardé actuellement. Donc ah oui, je sais, Ryuk. Joueur de Armor King. De King Armor King. Alors donc, moi je c'est ne sais. Mon collègue marseillais. Collègue, bon des coups. Un poquito friends. Et du coup, ouais, je me sens bah, confiant parce que je le connais très bien. C'est confiant parce qu'il va pouvoir dérouler comme il veut. Il va pouvoir me dérouler si je déchope pas, surtout. Ah là, les chopes incroyables de King, hein. Bonheur absolu. Hein. Oui, tout à fait. Alors, voyons voir. Est-ce que Midfirst va changer ça? Oh là là, pour le step relevé 1, je le vois jamais ce coup, c'est incroyable. Ouais. Relevé 2, pardon, excusez-moi. Oh là, le stomp. Oh le DB2. Oh, relevé 4. Ah ouais, le calmer, là. Il faut. Oh le Rage Drive. Stepé. En step, pardon. Ouais, il se retourne. Hop, oh ça les dégâts, de les dégâts. Les dégâts. Oh, il aurait pu faire relevé 4 là. C'est assez favorable aussi pour. Le Kuroten. Attention, le DB4. Relevé 4. Ah, ouais, encore DB4. Bien joué ça de la part de Kuroten. Bon, il commence le round et au TGF direct. Hein. Ouais. Parfois c'est moins 10, parfois c'est le. Je crois que c'est safe maintenant. Maintenant c'est safe. Je crois que c'est repassé safe. D'accord. Je crois que c'est moins 9 ou moins 8 maintenant. Il me semblait qu'avant c'était moins 10. Hein. Si vous savez dans le chat. Oui, n'hésitez pas à nous le dire, évidemment. Un plaisir. Mm. Oh, ça c'est lunch punissable. Ah non, c'est moins 10, d'accord. Peut-être à une certaine distance, ça doit être moins. Ah 10. Ouais, bien peut-être. Merci. Merci Gibson, ouais. Ensuite, DB2. Y a Kuroten qui déboule. Voilà, DB2, évidemment. Il passe un petit miracle encore une fois. Oh là là, counter. Allez, ça passe pour une first qui va l'envoyer au mur. Voilà, petit Okizem. C'est puni. Bien joué ça, de la part de Kuroten, c'est bien puni. FF2, oula là là, il aurait pu faire UF3. Bien sûr. Oh, c'est pas mal, ça balaye. Voilà, il est là. Ah oui! Il aurait du jab là au lieu de faire UF3 Kuroten. Oh la DF2. Oh là là, mais c'est oh il lock tout. C'est quand même pas mal bouger le truc là. Oh la DF2 ça va tuer avec la Rage Drive. Rage Drive ça tue. Oh il a raté le TGF. Il a raté le TGF. Terrible ce qui se passe. What a choke, oh my god guys. Le choke. C'est un choke incroyable de Kuroten. Ce n'est pas fini encore. Il les met tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il met dans le neutral game par contre pour finir le combo. Oh, il a raté, il a fait raté DF1. Son TGF. Alors qu'il faisait juste un stomp, c'était gagné. Oui, le Kuroten. Oh le joli confirme là. Alors attention, revient sur le match. Hop, ça revient au mur. Kuroten, la pression. Oula, FF3. DF3, pardon, full contre DF3. Enlevé un, incroyable. Il faut qu'il sorte de là. Voilà, Midfirst qui pique et c'est le. Non, et le Ah, il a fait start. Oh là, ouais, c'est terminé. Ah, oh, c'est fini. Voilà, disqualification. Non, je regarde. Bravo. Ah, c'était bien. Franchement. Ouais. Je suis pas passé pour un con. Bien joué. Merci Kuroten. Parce que bon, voilà. Bien joué, Kuroten. Bien joué. Évidemment, voilà, Warwick essaye d'avoir. Midfirst, hein, essaye d'avoir des réponses à ses questions sur pourquoi. Et Kuroten qui lui dit non mais j'étais juste trop fort pour toi. Oui. Ah bon. Et moi je. Ah oui, je vais rester un peu. Ça marche. Et moi je vais vous laisser. Et du coup moi je. Je casse avec. Je casse plus moi c'est ça. Je joue. Je crois que je vais jouer. Dites-nous Clem. La question pour ça. Bon ok. Dédicace à Blacky Star. Du coup c'est Bambi et Shenlong qui vont venir commenter. Pendant que moi je vais aller gagner. Ah bah dédicace
Ça va. Je rigole, évidemment. Un petit casse pour le café. On essaye de faire ce qu'on peut. Attendez, par contre, d'abord, laissez-moi sortir parce que j'ai tout mon truc. Ah, d'accord. Et après, je. Après, j'arrive. Comment ça contre Daiten? Comment ça contre Daiten? Ah non, hein. Si j'arrive, j'arrive. Je joue contre Daiten. Bon voilà les gars, je vous parle dans les deux micros parce que voilà, yes, oh là là, Fireblade. Wouhou. Donc du coup, ça va être à E-Link de jouer. Pourquoi Fireblade? Ils sont trompés là, les gars. Non mais ça c'est les commentateurs. Ah bah oui, d'accord. C'est pas grave, il est complètement à l'heure. Mais laissez-moi partir encore. Oh. Voilà, monsieur Shenlong. Monsieur Shenlong. Merci, bonjour le chat. Il va bien et vous-même? Moi je vais très bien aussi. Gros gameplay avec le vieux Mishima. Hein. Ah oui, oui. Il a bien géré. Ça sent le Japon. Ça sent le Japon à plein nez. Oui. Et il a voulu faire le beau jeu, franchement. Moi j'aurais même pas. Oui, il voulait faire le TGF. Il voulait faire la fin. Le TGF, moi j'aurais confirmé par D4 et après j'aurais fait à la limite F4, tu vois pas. Il y a toujours une chance que ça rate, hein. Donc du coup. Bon, faut confirmer. Même s'il avait confiance en son exécution, c'était quand même assez dur à le réaliser. C'est dur des. C'est sûr. C'est un just frame, ouais. Il me semble. Donc, voilà. C'est un just frame, ouais, c'est tendu de le. C'est ça, la fire stance. Voilà. Oh. Normalement, il y a quelqu'un qui doit me remplacer aussi. Ouais, là, je peux pas rester tout seul quand même, c'est bien quelqu'un avec moi. Bah oui. Ah. Ouais, je vais être tout seul sur le chat là. Farouk qui demande si tu vas bien. Ah, bah ça va, merci beaucoup Farouk, et toi, comment tu vas? Et on a les masques, conditions Covid respectées. Yo X-Mark, comment ça va? Je viens de voir les. Je regarde maintenant les commentaires. Ah, mais je dois y aller. Je dois vous laisser. Fire, il s'en va. À la prochaine. Ou alors là, les mecs. Alors là. Ça, là, je savais pas que j'allais caster un match comme ça, sans déconner. Et là, du coup, alors. Un petit historique de Fireblade. Fire, il fait quel résultat en général dans les tournois français, dans les rankings? Je le vois souvent dans les top 3, les top 4. C'est un gars qui est assez régulier. On l'a vu top 8 à l'UFA il y a 2 ans. Après, en ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de tournois, donc franchement, c'est assez dur de situer le niveau de tous les joueurs. Parce que franchement, là, c'est le grand retour et il y en a beaucoup qui ont encore les mains froides, hein, comme dirait DJ Ghost. Cette excuse. Ah, les mains froides en été, tu connais? Les mains froides en été, tu connais. J'ai le soleil dans les yeux, ça lag. Les bonnes vieilles excuses, on les aime. En plus, franchement, tout est clean, la salle est super. Du coup, merci à Link, du coup, de nous avoir prêté la salle pour l'événement. Et franchement, on est dans de super bonnes conditions et là, on va pouvoir bien se bourrer. Il y a toute la France qui est venue, sans déconner, c'est assez plaisant. Hein. Dans le sens taper à l'TKN, bien sûr. Hein. Oui. L'alcool est à consommer avec modération. Il y a toute la France qui s'est déplacée, ça fait plaisir de revenir doser, quoi. Bah ouais, là, regarde, il est d'Auvergne, notre ami Curoten. On a Fire et plein d'autres de Marseille, on a les Toulousains qui sont venus, on a des Lyonnais qui sont venus, on a des Parisiens qui sont venus, c'est incroyable. Il y a toute la France, les gars. Là, pour ce petit tournoi d'ouverture, enfin, il y a le tournoi à Nantes, bien sûr, qui a ouvert, mais le deuxième tournoi d'ouverture dans la foulée, ça fait plaisir d'avoir autant de gens qui viennent d'aussi loin et qui se rassemblent ici pour doser. On voit les deux et joueurs. Et là, du coup, hein. Attention, parce que Kuroten, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas un enfant de cœur. Non, il est hargneux. Mais Fireblade, il a son mot à dire. J'espère qu'il va jouer son Hayashi. Je veux voir du Hayashi. Ah, logiquement, ça part sur Hayashi, après, il joue beaucoup de persos quand même. Parce que c'est deux joueurs qui jouent au stick, ça joue pas à la manette, hein. Ah, Fire, après, c'est de la Xbox, hein. Fire qui joue à la Xbox et Kuroten qui joue au pad. Hein. Et franchement, là, ça va être un super combat, les gars. Voilà le petit check. Il met la capuche, ça y est. Il a mis la capuche. Oh là là, la Fire capuche. La Fire capuche. Ah, c'est quand il passe aux choses sérieuses. Et Hachimishima, voilà. Regardez, même son masque est en feu. On veut voir du Hachi. Et c'est faites comme Fire, Yachi. Customisez vos masques, mettez vos masques. J'annonce, on va avoir le droit à du Hachi. Il est où elle est où la braquette challenge? On va essayer de la mettre après. Ah bah tiens, ben voilà. Ouais, c'est bon, on a Crashman qui fait le taf, merci à toi. Merci Crashman. Ah mais quel homme, D'accord, Alpha c'est Crashman. Ah ok, ouais. Je savais pas. Fire, ah, mais... Fire qui s'immerge dans son personnage, mais il est très roleplay. C'est pas hein. Fire qui joue Jean, hein, c'est Jean qui joue Fire. Hein. on est parti sur plus de 15 ans de métier là. il sait de quoi il parle Fire là. Allez, c'est parti. Fireblade versus Kuroten, je vais te casser en deux. C'est ce qu'il dit, traduction à la VF. Hein.
Allez, c'est parti. Un peu de support là pour... On refait un direct comme ça, il s'en bat les couilles. Ok, bon. DF1-2 pour punir, bien joué. Allez, ça bloque tout. Oh, le buff, il l'a appliqué directement. Oh, le buff. Ça vient de passer. Oh là là, il est dans le neutral directement. Et là, ça envoie au mur. C'est magnifique. Kuroten qui n'a pas le temps. 15 secondes chrono. Un jour, je jouerai comme ça, les mecs, vous en faites pas. Ah, mais c'était un match de 15 secondes. Oh, magnifique. Encore un électrique, la foudre. Hey. B3, 1+2, 1+2. Les combos sont optimisés. Alors, Fireblade, là, faut qu'il revienne dans le match. Faut que Fire, il se revienne. Oh là 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 là. Encore un whiff finish. Hein. Ce petit sidestep. Mais il faut peut-être un peu pied de bouche, peut-être. Non, ça passe pas. DB4. Il essaye d'attaquer en haut depuis tout à l'heure, là. Les jambes, elles ont pas beaucoup saigné pour Kuroten. Oh, il a voulu parier ça, le voyou. Eh bien, vu la tentative de whiff finish. C'est pas raté. Oh, c'est raté, pardon. Kuroten qui devient trop calme à mon goût. Voilà, merci. Et voilà, Kuroten qui est... Bah, franchement, il maîtrise bien le match, là, pour l'instant. Ça commence assez difficilement pour Fire, là. Tu joues de ça. Magnifique, la Fire balayette. DF1-2, voilà. Allez, ça punit, tranquille, il prend l'avantage. Vous avez vu les petits wave dash, ils sont là, La Kazama style qui est passée en entier. Il a voulu wave punish avec l'électrique, c'est pas passé. Oh yeah. Allez, le bleu. Pas grave. L'overhead est le perfect pour Shen... Pour Shen Long, oh la vache. Fire qui maîtrise son match, là. Fire qui va revenir, peut-être. Il est revenu. Oh là là, magnifique. La relevé FF2, encore. F4 pour ça punir, touche. Bien vu. Oui, ça touche, ça punit. Ça bien punit. Bien sûr. Ah, il a tapé, il aurait dû se baisser peut-être. DF1-1. Allez, l'escroc. Le 4. C'est un escroc, F4, c'est 4, magique. Voilà, F4. Le mouvement magique. Et électrique. La foudre, monsieur. Kuroten dos au mur, littéralement. Oh yeah. La rage, il y a plus de joker disponible, magnifique. Oh yeah. Et Fireblade qui est de retour. Oh, il répond du tac au tac. Fire, magnifique, le F4 en coup de torse. Ça passe, le combo, ça convertit. Bam. Okizeme, oui, ça touche. Ça reste au sol, ça attend. DF1-1, ça tape derrière toujours. Ah, Kuroten qui reste encore très gentil, il est très agressif, mais avec des coups assez... Il s'est tenu à carreau. Assez mignon, parce que la balayette. Ça touchera pas. Dommage. Il a delay. Il a tenté. Et la punition. Il a été patient. GG à Fire. Il a craqué. Grosse remontada. Oh. Oh là là, plus on nous annonce le prochain match. Le drama. Borbino contre Dighted. Est-ce que l'élève va dépasser le maître? En tout ça cas, change. La Fire, je donnais pas cher de lui dans les deux premières rounds. Il est bien il est revenu. Mais il connaît. Fire joue, à mon sens, il se débrouille bien. Il y a des moments, il est un peu trop agressif. Trop agressif, à mon sens, par moment. C'est la seule chose que j'ai à lui reprocher. C'est peut-être le fait de manquer un peu de polyvalence dans le style de jeu, c'est ça? Il est. Non, c'est pas une remarque stupide, ça, remarque. Ça, hein. Il faut toujours savoir s'adapter. Hein, et faire. Parce que je vois agressivement, hein. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir lever le... Le F3, hey, c'est des 4-4. B1-2, hey, dans le corner direct. Oh là là, 1-2, la pression. Le trap, ça touche, allez. hey, bam. Dans le corner à ton tour, le karma, on prend son temps pour se relever. L'électrique. Oh, il a déjà le repris le centre du terrain, là. Magnifique. La rage est pour Fire, bien il se baisse. Ça. Il se le baisse F3, bien joué. Deux mauvais choix, ouais. Malheureusement, et ça a été fatal. Il a préféré jouer le middle Kuroten. Et magnifique, il a attendu. La zen 1+2. La zen. Bam, bam. La barre style. Voilà, il a pris un combo, c'est mid-bar, c'est OP. Oh, bien vu. Oh yeah, eh oui, oh yeah, tu oh yeah. Tu whiff pas devant papy. Et voilà, on aime le voir, le vieux Mishima. On aime le voir. Ah, il arrive en retard pour le goûter, il se fait punir. Hein. Papy Mishima, il est toujours là. Kuro qui se retrouve un petit peu dans le corner. Un B2. Mais punis-moi ça, non. Ah, dommage, j'avais un punish. Non, il a tenté de punir avec des high. Il y avait et un punish. Forcément, last dance en zen. Il a high crush. Allez, est-ce que ça peut toucher? Non, il a pas pu récupérer. Ouais, c'était un peu loin avec le trek, c'était assez compliqué. Tu rends fou avec ça, DF1, tu rends fou. Tu en fous, ah, tu en fous. Des gâchis en même temps. Tu en fous, c'est des fins. Oh yeah! Électrique! Oh yeah! Hey! Aïe! Eh oui, c'est confirmé, ça, bien vu ça. Et le B4. Aïe, ça joue bien. Je suis en train de prendre un cours là. Est-ce que c'est une remontada pour Kuroken? Kuroten. Dommage, encore la zen. Encore essayer de punir la stance. Encore, bon. Mais la stance zen, on l'a dit tout à l'heure, ça y crush. C'est-à-dire que les A ils passent au-dessus
Et là maintenant, Fireblade. La chapeau de déchoppe directement, c'était rapide. Hein. Joli ça, très très bien joué. Magnifique. Et on recommence. Oh yeah. Ah ça joue beaucoup middle. Ah il est là, ça touche pour Fire, le counter hit. Le F4, c'est le mouvement magique, il est bon ce mouvement. Allez, final round du... final round. Ah yeah, très mauvais choix, c'était un F3-4 ça. Très mauvais début de round. Ah, la chop. Ça patiente, allez, voilà. Allez, le pressing de Fire là depuis tout à l'heure, ils sont... Ah, ils sont au poil, magnifique le sidestep et la chop qui passe cette fois-ci. C'est bien vu. Attention le Kizem. F4 au Kizem peut-être. Non, c'est le... C'est le stomp, l'écrasement. Oh yeah! Oh yeah! Et là! Et là! Et la foudre a frappé! Ah yeah. La Rage Drive, il aurait fait l'utiliser maintenant! Et non! Oh, qu'est-ce qu'il a raté! Fire, il connaît! Il connaît! Comme dirait sa grand-mère, il connaît! Oh là 2-0 là 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 pour la lame de feu! Et oui, je vous rappelle, Mi First, traducteur à temps perdu. Ah oui, non mais. Noir-rouge là aussi, hein! Fire! 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 On parle pas souvent de noir-rouge. rouge, non, noir 10, pardon, noir 10. Excuse-moi, noir 10. Pourquoi je dis rouge? Noir 10! Fire! Je ne sais pas. Eh, le DB4, oh là Fireball Yat! On mouvement... vient d'entamer les hostilités, hein! Ouais, on l'aime ce mouvement, invisible à l'œil nu, faut vraiment. Tu peux le voir, mais c'est un peu tendu quand même. Ah, c'est assez tendu, hein! Magnifique, hey, le counter! Hey, hey! Bien vu ça. Et là ça touche un combo. Non, il n'y a pas de combo cette fois-ci, il a raté. C'est dommage. Il a voulu qu'il punir. Passe pas. Fire là qui essaye. Oh allez, DF1, 1, DF1, DF. C'est très très bien le DF1 pour ça. Oh, c'est magnifique, le top 2 qui va with punish from downtown, comme dirait les. Le bon combo des familles, vous avez vu ça? Oh, un plus 2. D4 confirmé, bien vu. Oh, il y avait un punish, pas grave, bon. Oh yeah, oh la yeah. Foudre. Le petit step ça touche à droite, c'est magnifique. Hey, le hey. Bon combo. Hey. Max damage. Hey. Hey, voilà. La perfection. Voilà. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Avantage pour Noir 10. F4, F1, électrique, bien vu. Les deux sont sortis en même temps, mais celui de Jin est sorti en premier. Hein. Peut-être l'exit n'était pas la bonne. Voilà. Fire qui met la pression. Ça touche encore. 1, 2, 2. Ah, il a voulu faire F4. Et Fire là qui... Non, il remporte pas ce round. Oh yeah. Ça touche. Ah, D4, il a tapé derrière, fallait pas. Regarde, il est encore joué ici. Bien joué. Il avait, D4. Il, hein, avait, il avait quand même prévu le petit lot avec le F4 et Yachi, c'est GG. Aïe, aïe, aïe. Mais aïe, non, aïe. Ça fait plusieurs fois, oh, il a pas confirmé. Kuroten. Tristesse. Pas comme ça, Kuroten. On a dit la stance Z, pas de high. Il a du mal avec ça. Fire. Magnifique le F2. Aïe. Oh yeah. Et ça touche le lot. Eh hey, l'Okizeme, ça touche. Attention, oh, il a le dos. Back throw, ça passe, la c'est shop. Pas grave. La back throw. Hey, oh, bah, hey, ça tue. Hey. Et ça tue, Kuroten. Et ça fait 2-1. Est-ce que c'est le début d'une remontada? Ah, peut-être. Hein. Il reste en vie à Kuroten et il a encore son mot à dire. Après Fire, il a quand même un avantage, là il a deux balles de match encore. Il peut clairement la win. Enfin, il peut clairement la win, il est en bonne position pour la win d'ailleurs. Il faut qu'il soit plus tranquille. Ah, pas forcément, hein. Il y a des phases agressives qui marchaient plutôt bien. Il faut, faudrait qu'il sache jauger en fait. Faut... C'était la l'agressivité, de... c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Pourquoi la chope? Ouais, c'est une chope de côté la chope. Ouais. Hein. Step trop. Du coup, c'est 40 au lieu de 50 dégâts. Enfin, 55 dégâts pour la chope de dos. 55. Ça fait mal, hein? Ouais, 55 sans la rage. Hein. En plus. Et combien avec, avec la rage? La rage, je pense que ça doit être 60. Ça augmente de 5 peut-être. Ouais, ouais. Je suis pas sûr pour la rage, mais en tout cas. Je vais te casser en deux. Mais chope de dos, c'est assez occasionnel normalement. Oui, ah, tu lunches, mais bon, je pense qu'il était un peu dans la panique. Ouais. Tu peux pas l'incriminer. Après, tout dépend. 55 pour un coup qui sort en 12. Ouais, bien vu. Magnifique ça. La punish. Hey, hey, hey. Et Fire qui va ramener au Fire Mur. Et le Fire Combo qui fait mal. Fire Balayage, mais c'est pas la même. Hey, hey, hey. Il a tenté le CD1. Dommage, y'a pas de wall splat hein, pour le pied Yashi. Il mix. Et la Kuroten qui reprend l'avantage en termes de position. Là, il est dans le coin, la Fire. Faut qu'il sorte de là, magnifique. Il sort de là avec la pression des électriques. Aïe, 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 ça trade. Le Fireblade à la rage, il ne l'a plus. Ok, il a pris. C'était un step, c'était un step. Chope de choper. Ça... Oh yeah, le choix. Esterlo. BB3.
C'était un lot cette fois-ci. OTGF, pas puni, dommage. Ouais, on confirme. C'était le bleu. Encore le TGF, là c'est puni, bah, un petit peu. C'est bien puni. Il a mieux pour punir ça. L'électrique karaté, bon c'est pas grave, ça arrive. DF1, 4-4. Oh là c'est... Eh bien vu, voilà. Allez, en combo. On met dans le coin, ça met la pression. La chope, spé, pas les choper. La chope à plus 2, elle est garantie celle-là. Sur Kuroten apparemment. Aïe aïe aïe, ça sort tellement vite. Counter jab. Ça sort tellement vite. Ça sort tellement vite. Ah, c'est un jab, hein, c'est... En tout... Ouais, 10, hein, forcément. En 10. Pas forcément, non, il y a Jack, mais... Et voilà. Allez, Fire, il est toujours là. Fire qui est revenu, qui met la pression. Le F4 magique, il est là. De rang, des balles d'égalisation pour Kuroten. Ça déchoppe, ça déchoppe. La Fire balayette. Il a pris à déchoper, c'était 1 plus 2. Bam, bam. Allez, Fire. L'avantage c'est est magnifique. Dommage, mais je pense que c'était un mauvais choix. C'était trop long, ça relevait 3-1 plus 2, c'est trop long. Bah, Fire s'est déjà mis sur le côté là avant qu'il puisse perdre ce soir. Bon, je pense que c'était un B4 ça. Mais bon, ça passe pour finir, c'est mieux. Bah, Fire qui veut beaucoup jouer le counter là sur cette phase de jeu. Magnifique la balayette. La Fire balayette. Allez, ça passe. La chope. Et voilà, la chope à plus 2, il a vraiment du mal à la déchopper pour le coup. Et Fire qui en profite. Oh, les petits mouvements, ils sont magnifiques. Oh, le TGF. Oh, yeah, 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 yeah. Oh yeah. Dommage. Oh là là, il a fait la suite. Le mid. Et voilà. Là, c'est magnifique. Est-ce que c'est la balle de ce match pour Fire? Balle d'égalisation ou balle de match pour Fire? Ah. Oh là là. Oh, c'est le vrai punish. Le vrai punish. C'est les 4-4-4. Allez, on wave. On confirme. Ça touche. C'est garanti. B4. Chape déchopée. Chape à plus de déchopée cette fois-ci. On recule gentiment. Voilà, oui, là-dedans on tape pas non ça plus touche. Il reste plus beaucoup de vie pour Fireblade. Tranquillement. Ça touche encore. F4, aïe aïe aïe. Et le DFA qui touche. De partout. Dernier match. Et c'est tendu, c'est un magnifique... Moi je suis content. Je suis content. C'est tendu du slip, voilà. Ah, c'est un très très bon match. Moi, là. Je suis content de les voir deux joueurs se donnent à fond. Je suis content de voir mon vieux Mishima, tu vois. Mais je suis de tout cœur avec Fire, faut qu'il soit un peu plus patient. Oh là là, il a failli prendre le DGF là. C'était pas loin. Hey. Il s'en est sorti avant les frame by crush. La chope, bien joué, la chope spé en 1. Il a bisqué. DF 1-2. Ah, il garde encore les plus frais, mais là, la plus 2 cette fois-ci. Le premier round pour Fire. Kuro a pris le rythme de Fire, exactement. Nice. Oh là là. Ça touche, magnifique. 1-B2. Ah non, F3, il voulait reset. 1-B2. Le low pari, voilà. Hey. La chope à plus 2, pas déchopé encore une fois. Il a vraiment du mal avec celle-ci. Ça touche. Et B2, c'est bien confirmé. Hachi. F4. Et non, Fire, il le voit en réflexe, il l'a compris ça. Magnifique. Le petit side step électrique, il était magnifique. Ah, c'était assez agréable pour les yeux, j'avoue. Magnifique. Dash with finish. Nice. Ah, il savait depuis le début. Le pari du Fire. Ah, mais en vrai, la balayette en whiff, franchement, elle a pas beaucoup de... Enfin, la recovery est très courte. Hein. Aïe aïe aïe. Ça touche. FF2. Et le Firewall combo là, ça va faire très mal. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. La punish, Max. Il a voulu laisser passer. Fallait pas, faut jamais faire ça. Est-ce que c'est la balle de ce match pour Tonton Fire? Mais là, on est clairement sur une balle de match pour Fireblade. Oh là, nice, voilà. Ça duck. Kuroten qui joue la sécurité. Hein. Oh là là, l'OTGF, encore une fois. Hey. Il a tenté le bon timing pour le sortir. Le mid. Il se retrouve dans son dos. Toujours, il step à droite. Toujours. La foudre encore, la foudre. Allez. Et là, il punit par contre l'électrique gratté de Fireblade. Est-ce qu'on va partir sur un final round? Et oui. Et le fight, la balle de ce match. Allez, Fire. Dernier round de ce match. L'un des deux va passer en loser. Jin contre Yashima, il est qui passe.
dans le corner. On peut pas confirmer. F4, aïe. Oh, il fallait pas. Attention, ça part de là peut-être. Il a voulu faire l'Okizem. Alors c'est pas encore fini, voilà, ça touche. Le Walcott ball. Pour Rotten qui est encore bien là. Il tient la pression. B4. F4, ça part de là. Ah. Mais comment il va se il lui a cassé les jambes. Magnifique match. Kuroten, premier tournoi en France depuis son retour du Japon. Ah, il nous montre que c'est pas un figurant là dans le tournoi, c'est clairement pas un figurant Kuroten. C'était tendu. Très bon Hayashi. Hein. Kuroten qui a un très bon Hayashi. Hein. Très bien, il le joue très bien. Maintenant j'ai appris comment jouer Hayashi. J'ai pris un cours. Là clairement c'était du très très bon niveau. Elixu qui dit GG. Aïe. Là il y a. Tout le monde qui dit GG, voilà, tout le monde. Voilà, GG. Ouais, c'était un match magnifique, hein. C'était vraiment un match magnifique. GG de Maijin, GG de Alpha, GG de Maijin encore une fois, GG de Blacky Star, GG de Zarato, GG de Nobody, voilà. GG Easy Win, tu sais le mec qui veut ça. GG Easy, ouais. GG Easy Win, c'était tendu, grosse remontada. C'était franchement, là, le Fire, je le voyais gagnant au début, mais bon. Mais c'est pas fini. Et là, du coup, un petit switch de caster, on a Aiko qui va nous rejoindre. Allez, du coup là c'est Fireblade Fuito. Est-ce que t'étais là au dernier Fireblade Fuito qu'on a eu à Marseille? Bon là on est à Montpellier donc c'est pas la même chose mais... Non, j'étais pas là. Eh ben Fuito il faisait des hop kicks, il faisait vraiment des hop kicks de l'infini. Et ça tauntait Fire très très dur. Et il jouait Kenimitsu. Il jouait Shaïn avant. Kenimitsu était pas sorti. Ah oui, c'est... ouais d'accord. Donc là ça remonte un peu quand même. Hein. Là vous... Mais je crois que c'est le premier... Mais dans l'esprit c'est encore là. C'est le premier tournoi où Fuito il sort Kenimitsu au final. Premier offline où il sort Kunimitsu, je pense. Je l'ai pas vu autre part. Donc, ouais, là, faut voir ce que ça donne. À part Alix CFC, pas eu. Après, j'ai apprécié que Fuito il va plus loin dans le bracket, mais c'est moi qui l'ai mis en loser. Doté. ce niveau. Incroyable. Et salut Rubicant, la team Chloé. Et du coup, le dernier match, c'était comment? Dernier match, c'était incroyable. C'était Bambino contre Night Engine. Bambino a gagné 3-1, mais c'était chaud. Il y a plein de rebondissements. Benjamin 34 là, très très fort. Très bon joueur. C'est cool. Bon voilà, les joueurs prennent place. Ah, je veux voir le Bambino Kuroten. Le petit keyboard user. C'est quand le ranking lyonnais? Alors le ranking lyonnais, il va bientôt être annoncé, j'imagine. C'est le 27, si je ne me trompe pas. Ouais, Kip m'a dit que c'est la même date, ouais. La même date, ok, c'est dommage, pas faire les deux, ouais. Faut faire un choix. On peut rester à la maison. Si je travaille, je suis à Lyon. Si je travaille pas, je suis à Marseille. Bah, en tout cas. Moi, je suis à Lyon dans les deux cas. Donc, En tout cas, alors, on a le Fire retour. Tout à l'heure, il nous a fait un match incroyable contre Kuroten malgré sa défaite. Et du coup, il est en loser. Ouais, il a perdu contre Kuroten 3-2, c'était chaud. Oh, pas mal. C'était vraiment chaud. Il y a des matchs ici, là. Oh, c'est incroyable. Bon, let's go. La Kunimitsu... Il n'y aura pas de surprise. Ce sera Jin Kunimitsu. Ouais, et ça part bien sur les bons persos. Jin contre Kunimitsu, Fireblade contre Fuito, c'est maintenant. Et le stage Mishima Dojo. Bon stage de la famille. Bon, on a un avantage passif pour Fire hein, qui est chez grand-père. Alors du coup tu penses quoi de ce match toi? Bah en vrai je connais pas trop Fuito. Ouais. J'ai beaucoup regardé Fireblade jouer, mais Fuito je connais pas du tout. J'ai joué tout à l'heure contre lui. Bah Fire il est dans un style très agressif et Fuito il est plus dans un style lecture de jeu un peu plus posé. Il est très réactif aussi. Il hésite pas à y aller, ouais, il a très bonne réaction, il est jeune. Allez, on est tous un peu quelque part jeune. Ça commence avec des petits pokes là. Hein. Ça va jouer comme ça. Il joue beaucoup avec sa stance hein.
Les coups sortent plus vite qu'il y paraît. C'est pas très possible de réagir. Bah, il fixe sa touche. Surtout quand il les fait relativement loin donc. Allez, allez, ça saute déjà sur Fire. Allez, ça touche le lot encore une fois. Ça fait Fire pas mal de lot dommage début, là. Oh, allez, l'électrique qui passe. Le wall combo et la max. Mix up. Ça touche. Et le n'arrive pas l'avantage derrière. La classique. Fire qui récupère tranquillement avec B2A là. C'était la joue la sécurité. D'ailleurs, qui a été buff hein, lors du dernier patch. Le B2A. Hey, ça touche. Ah, plutôt là qui est bien en avance là. C'est lui qui met la pression à Fire. Ok, ça a été pari, mais il y avait bon la suite. Feed. Magnifique, et la Lolo. Et hop. Bam. Qu'est-ce qu'il va faire? La shot. Il rentre dans le vortex, ça déchauffe. Magnifique punition. Oh. Encore une fois, magnifique. Et Risplat. Et le wall combo. Ça fait mal. Hein. Ça a la rage des deux côtés. Ah. Lolo, ça touche. Fuito qui avait un bon avantage sur les deux matchs et qui... Ouais. Fireblade qui a su remonter correctement le match en, sans vraiment... Magnifique le DF2, il perd de risque. Il est sorti nature. Et bim, et 1-1-1-1. Tac. Allez, ça touche pas, c'est facile, attention. Oh là là, le counter qui vient chercher. Ah dommage, le drop du combo. Et là ça touche. Et ça tue. Magnifique Fuito là qui... Il revient d'entre les morts là, c'est pas fini. C'est pas fini, Fire là, comme quand t'as un petit lot. Le coup de derrière qui touche. Allez, le combo, bam, Okizebe. Ça touche aussi. La chope, pas ça des chopes. Chope. Ah si, c'est des chopes cette fois-ci. Si. Le vortex, 50-50. Il rentre dans le vortex là. Attention. Déchopé par Fuito aussi. Oh allez, my hop, God. Passe, ça passe, DF2, c'est gratuit. D'un foutu. Dans la nature, il l'a envoyé comme ça. Okizebe, ça touche, ça touche. Sans sel. Et le D4 en full crush qui touche. Et Fuito qui revient au score, deux rounds partout. Oh, ça a tenté le homing. D4. Ça s'observe. Pour l'instant, Fire qui met le round. Jopé. Magnifique. Ça cherche le counter hit. Ça touche. Allez, ça gratte, ça gratte, ça gratte. La relevé en 14, il attendait que ça. Ah dommage. Ça touche, ça retouche. Et là il y a égalité entre les deux joueurs, la rage déployée pour Fireblade. Oh, magnifique le duck. La bonne interruption. Très très bien joué de la part de Fire ici. Fire qui a fait ses devoirs. Hein. 1-0 pour Fire, est-ce qu'on est sur du FT3 cette fois-ci ou sur du FT2? FT3 pour le loser quart de finale. J'ai l'impression que tous les matchs en stream c'était FT3, non? Quasiment, ouais. Ok. Magnifique, le counter DF2. Au mur. Il tente l'Okizebe, ça touche pas. Il tente le pari, non, y'a rien. Magnifique, la prédiction sur le lot, la chape déchopée. Oh, il a fait un pari juste avant, hein. C'est chaud. Hein. Ouais, ça touche encore. Et le combo, oui. Fire qui réussit pas, c'est dommage. Hein. Malheureusement, un peu trop loin pour le connecter. Moudades. Encore. Magnifique, oh le hop kick. Incroyable. Yes, célèbre le hop kick, comme dirait nos amis saoudiens. Marseille est en feu ce soir. Aujourd'hui, quoi que. Magnifique, Fire qui touche. Avec plus de combo sur ça. Hein. Magnifique, oh, le Hellsup qui est bloqué. Hey. Et ça va au mur, je pense. Ça peut aller au mur, hein. Ça peut aller au mur, ça va y aller clairement. Pas d'autre combo possible. Ah là, il est dans une mauvaise position là. Qu'est-ce qu'il va faire? Une bonne garde. Ah, t'as touché au sol, magnifique. Très bien la punition. Non, c'est pas ça. C'est pas puni là. Oh dommage. Dommage. Ah, il arrive à s'extirper un peu du mur. Et maintenant la situation s'est inversée. Ah, il tente des launchers là où c'est pas forcément possible la Fire. Ça pullit. Allez, ça garde très très bien. Oh là là.
Oh là là, cette action. Mais c'est rattrapé par Fire. Tu as peut-être tué là, ça tue. Mais bien sûr que ça tue. Ça Fire tue, salut Tiens. Van Jump Shake. Allez, alors là, plutôt là qui. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a des très bons débuts de round, mais il s'en sort pas trop là. Oh non, dommage, le counter, c'est. Il a pas fait la suite. Tu peux pas le confirmer le counter? Non. Je sais pas. C'est compliqué. Oh, ah, le bon. C'est peut-être la fin pour Fuito. Oh, dommage, le bon. Ah, il a une chance énorme. Il s'est jeté sur lui. Et c'est 2-0. Pour Fireblade. C'était plutôt one-sided hein, en ce moment. 2-0, ouais. On a le temps, c'est ça. Parce qu'on a le temps. Deux fire. Ah, le bon pari. Sur le coup de night. Allez, ça touche. Merci pour le follow. Dicelite. Allez, Fuito qui est dos au mur là encore une fois. Fire. Il se retrouve vite en désavantage. Magnifique. Hein, Fuito. Hein. Fire qui a envoyé la bonne punition, mais cette fois-ci c'était pas. C'est le combo qui a manqué. Et Fuito qui va bien sûr en profiter. Et ça remonte au fur et à mesure. Allez. Et la balle est encore une fois. Ça a tenté. Fuito qui revient d'entre les bords. Ça a tenté les choses. Mais c'est juste ce qu'il lui fallait pour le reset mental là. Un petit round comme ça, un peu volé. Et le bon bloc. Ça joue middle, ça joue high encore une fois. Oh là 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 là. Attention, il a tenté le counter, c'est pas passé. Il est allé jusqu'au bout, malheureusement. Ça va au mur. Fer qui se fait toucher encore une fois. Là c'est Fuito qui a le mur cette fois-ci. Il tente le. Oh, il a tenté cette frappe. Concept. Et la chope qui passe cette fois-ci, c'est la première chope qui passe sur Fire. Et elle est mortelle. Round 3. Fight. J'ai pas plus de. Forcément, elle fait très mal. Allez hop. Oh, c'est puni, ça dégage. Attention. Fuito par contre, tiens. Oh là là, magnifique, ça touche encore. Ça touche encore. Oh là 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 là. Allez, c'est naturel, ça passe. Moudades, il a dit. Oh. Allez, pas step là. Il sort la main un peu magnifique. Ah, et la fire balayette. La mix-up. Fuito qui se fait fire balayer. Ah là 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 là. Il l'avait là, Fuito. Allez, magnifique le sidestep. Sidestep launcher, c'était clean. Le bon counter. Et sa combo. Oh, le bon bloc. Il est touché. Il a su garder son calme. Des deux. La chope bien chauffée cette fois-ci. Regardez, ils sont vraiment pas sur la phase agressive là. Entre Fire qui cherche le counter et Fuito là qui cherche une dernière ouverture en fin de finir. Fire sans lui laisser la rage. Là, dommage. Mais c'était sans compter la string high que Fuito nous envoie. Et là c'est un dernier mix-up pour Fuito. Attention à la relève 4. Et ça touche là, et Fuito là, qui Fuito reste en vie, Avec la taunt à la fin d'ailleurs. Ouais, ça taunt hein. Ça taunt fort. Ça taunt du côté de Fuito, mais attention. Fire a toujours l'avantage, il a toujours 2 à 1 pour lui. Il a 2 balles de match, il est plutôt serein. Après c'est exactement la même situation dans laquelle il était contre Kuroten tout à l'heure et ça a mal fini. Mais là je lui souhaite pas. Je lui souhaite pas la Fire là, il peut finir le travail. Il peut prouver, il est bon. Oh les DF2. Encore un DF2 magique, hein, c'est magnifique. Ah là 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 là. Et Loki. Ça touche. DV2 bien, Murphy. Oh là là, la magnifique, chance. Le Z en plus de la qui est plus proche. Encore un Z en plus de. Et là ça. Et là par contre, Fuito il pardonne pas. QCF2. Et la taunt. Again. Et ça touche au sol.
Magnifique. Le foot on, le foot on fire là. Allez, ça va rapidement sur bord. Qui touche. Il y a bientôt la rage pour Fire. Non, la champion, un pas déchopé cette fois-ci. Oh là là, la vengeance. Allez, chope de dos, c'est compliqué. Ça, c'est un 50-50. Mmh. Allez, ça a chopé le counter. Ça va au mur. Allez, ça touche. Et il finit bien les back 2. Hein. Il arrive à pas, ne pas mâche dans certaines situations. Mix-up, pas de mix-up. Bien joué. Oh, le stop, mais il y aura pas grand chose dessus. Le stop seulement. Putain, on voit qu'il est pas bien là, il sait pas quoi faire là pour le coup. Et le mate check. Qui vient le tuer. Fire qui veut pas laisser ce match finalement. Il a changé d'avis. Et le mix-up. Mix-up ou pas? Mix-up encore. Ça touche encore, le vortex. Et non, c'est cassé, le loup à la relever. Ça compote. Bam. Encore une fois. Oh là là. Il s'arrête jamais. Incroyable. Oh là là, incroyable. Magnifique le double fire. Oh là là, ça, ah, ça connecte pas dans le dos. Dommage. Et le D4. Le Fire qui récupère ce round. Oh my god. Balle de match pour Fireblade. Balle d'égalisation pour Fuito. On est dans la même situation que tout à l'heure. Oh le bon. Et l'électricité qui touche la foudre. Hey. Les gars, ça reste par terre. Oh les le kick qui est fini. Il savait. La chop. La chop. Et là, il y a oh là dedans. Là, le bon side step. Et tout de Fireblade qui s'impose 3 à 1. GGG à notre joueur ici. Ah, il reste plus beaucoup de joueurs de l'Ouest. Qui est-ce qui reste? Qui est-ce qui reste encore dans l'Ouest? En tout cas, pas Fuito. Ah bah justement, oui, effectivement, il y a Benjamin 34 qui vient représenter l'Ouest de la France. Le petit Dight Engine. Contre Mika 13, hein. Mika qui m'a éliminé. Ah, ouais. Il joue quoi? Il joue Miguel. Allez, c'est parti, les joueurs prennent place. Il a un personnage un peu plus sombre. Oh, du genre Leroy, mais il a vu changer après Bob. Il s'est passé des boberies. Il s'est passé Bob. Oh là là. Vous pensez que Fire va le faire contre son ancien sensei? Benjamin 34, Fireblade tout de suite. C'est encore la foudre! À moins que Benjamin 34 se décide à jouer un Geese. Autre chose. En tout cas, ce sera un Jin pour Fireblade. Toujours Jin. Ça fait plaisir de voir des anciens dans les phases finales. C'est la jeunesse est devenue trop arrogante. Les jeunes de nos jours, ils sont. C'est plus que c'était. Hein. Et hop. Et oui. Ouais, Benjamin top 4. Fireblade top 4 aussi pour l'instant. A voir si ça peut s'améliorer avec le temps. Peut-être une victoire de leur part. Qui sait. Mais je rappelle que derrière, après la victoire de l'un des deux, c'est du coup Roten. Et encore derrière, il y a Bambi. Bambi, il est très très loin. Bambi, il est fort là. Là, il est. Il va être chaud parce qu'il y a vraiment du lourd là qui. Il y a vraiment du lourd sur la route. Que ce soit Fire, Benjamin 34 ou Roten. Les trois sont exceptionnellement forts. Et qui a mis Fire en loser? Fire en loser, je sais. Ah. Bah c'est Kuroten, c'est vrai. Ah bah voilà. C'est Kuroten qui l'avait battu 3 à 2 sur une belle remontada. Donc espérons que Fireblade remonte pour avoir sa revanche. Ouais ouais, après on peut l'espérer, mais après Benjamin 34 aussi il a une revanche à prendre. À ce stade, je pense que tout le monde a une revanche à prendre là. Ah bah oui, de toute façon, la cible à battre.
Et ils ont tous les gens qui sont losers actuellement, ils ont tous perdu. Non, pas Fire. Non, mais si, il y en a deux. Il a pas perdu contre Bandit. Ah, oui. Top 4, il a perdu contre Bandit. Je crois qu'il a pas joué contre Bandit Fire. Ouais, il a pas joué encore. Pour l'instant, il a pas encore joué. C'est le seul. Il y a que Bazama 34 et Kurotel qui ont perdu contre Bambi qui sont en loser actuellement. Fireblade, joueur de G. Oh là là. Non. Non, n'importe quoi. On a un Mirror. Alors, qui est à droite? Fireblade à droite. Bazama 34 à gauche. C'est ça. Stage aléatoire, s'il vous plaît. Ça tente les Mirrors. Très aléatoire. À ce stade du tournoi, ils sont mis d'accord, c'est pas grave. On tolère pour 7 fois. Peut-être pour 8 fois. Non, non, c'est juste l'image qui est la même. Et c'est un miroir Jin. Mirror. C'est un match. Chikarakoso Sube pour le meilleur Jin de France. J'appelle que le tenant du titre de meilleur titre de France c'est Fireblade. Est-ce que Benjamin 34 c'est bon, c'est bien placé, c'est bien pourra placé. Le récupérer. Oh, oh la taunt. Marque de respect. C'est ça qu'on veut voir. Tapez-vous, mais aimez-vous quand même. C'est des frappes d'amour qui se donnent. Allez, ça touche. On va trouver l'électrique. Et Benjamin 34 qui trouve le coup de peur ici aussi encore. Ouh, magnifique, la foudre qui timing. Tape hein. Ah c'est vrai que Bai Jamin c'est Ni hein, c'est le nom de Ni. Eh oui pour ceux qui ne savaient pas, Benjamin c'est le nom de Ni. C'est le nom de Ni. Allez, c'est pas fini. Oh là là. Et voilà. Benjamin 34 qui s'impose sur ce round aussi. Hein. Il est très patient. Et c'est touché, Benjamin 34. Toujours aussi chaud. Allez, Fire qui part sur ce combo. Ça va ramener au mur. Hey, 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 ça touche forcément 1-2-4. C'est une garantie de partout, ça touche toujours. Allez, le pari, oh, c'est le parfait. Pari. Hein. Ah, je crois qu'il connaît le match-up. Hein. Allez, let's go. Zen en plus 2. Zen en plus 2. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, c'est ça, XTP. Et ça part au mur. Ah non. Fireblade plus chaud que Benjamin. Le petit qui est tenté, qui est pas fini. Et non, pas forcément, et la Fire balayette contre Fire. Wow. Ouais. Magnifique Benjamin représentant la Corée française. Round 1. Fight. Quoi? Oh, quoi? Il a disrespect le taunt. Oh, voilà. C'est bon. Ça, ils sont rattrapés, la marque de politesse a été présentée. Maintenant, ça s'envoie des patates dans la bouche. Oh là là! Oh, des taunts. Maintenant, c'est plus une marque de respect maintenant. Je veux plus entendre que c'est une marque de respect. Ah, est-ce qu'il va payer pour ça, l'ami Benjamin? Et la Relevé Fantasy. Oh, le timing. Il ne payera pas pour ses méfaits. Fireblade qui perd ce round. Attention. Il avait clairement l'avantage. Attention, la Fire balayette contre Fire. Voilà, il y en a marre. Oh, you en a marre. Des électriques. Parfait. Oh là là, c'est fini. Dommage, direct. Le combo qui était pas très approprié. FF2, ça touche. Et magnifique hein. Waouh, Benjamin qui est godlike là hein. Benjamin qui s'en sort très bien pour le coup. Oh, allez hop, dans la stance. Il a pas le temps Fireblade. Allez, y'a rien qui touche là pour l'instant.
Oh, et le coup de cœur, le combo bien exécuté. Il n'y a pas de mur sur cette fois, mais c'est pas grave. Très bonne avance. Fireblade dans le mur. Attention. Ah, la balayette qui touche. Wow, le timing. Le timing incroyable. Incroyable. On fire. Ah bah on peut clairement dire Benjamin is on fire. Benjamin 34. Ah, Benjamin danse sur fire là. Ah là. Ah, Howard Estate, on part sur ça. Attention. Est-ce que Fire il va pouvoir remonter ici? Je pense que Fire il a les capacités de remonter le bracket. Hein. Il a clairement les capacités de le faire. Après, est-ce qu'il se laisse pas impressionner parce que c'est l'ancien sensei, c'était le daron du game à l'époque. Mais place aux jeunes, hein. Place aux jeunes. Benjamin, ton temps est révolu. Ou peut-être pas. On va le voir tout de suite. Oh le respect. Voilà, merci le respect cette fois-ci. Je pense que c'était le karma qui a perdu le deuxième match. Hein. Ouais. C'est ça exactement, plus un Titan, plus deux Fireblade. Ouais, ah. Bam. Le mur, ça touche. C'est un gros morceau perdu pour Fire, mais c'est pas grave, c'est récupéré avec le duck sur les lignes. Ça va casser. Voilà, perdu. C'est comme bon. Oh. J'allais dire ça, va devenir une vidéo combo. Voilà. Bam, bam, bam. Pas besoin de réaction. Il sait tout. Il sait tout, Benjamin, c'est lui qui a créé le jeu. Oh là là, le low pari. Pari. Ça commence à devenir compliqué pour Fire, là. Les lectures de jeu partent souvent à l'avantage de Benjamin. Et ça me donne encore raison pour le coup. KO. Round 3. Fight. Allez, peut-être le dernier round si Fire se ressaisit pas là pour le coup. Ok, ça touche pas, c'est pas grave. Magnifique le sidestep, ça punit. Le pari. Par. Dommage, mais c'est pas grave, il a quand même réussi à tuer avec le dernier hit. Ça lance des finishes comme ça. Hein. Ok, il s'est pas baissé cette fois-ci. Il donne un plus 2. Le sidestep sur l'électrique, magnifique. Bah, point. Bah, point. Tout est 4, très bien joué ça. C'est chaud là. Il reste en vie, enfin, c'est bon bloc. Et le 4. Et le magique 4. Bah, je combo raté. Le pari qui part sur la balayette. Deux stops d'affilée. La fire balayette sur fire encore une fois. Oh la pulsion. Oh peut-être. Oh c'est plein de rebonds de semaine. Ça touche pas. Un dernier coup pour Benjamin peut-être. Attention. Oh là là. Oh non. Très bon match, dommage, la balayette de la gourmandise, ça a été lu par Benjamin. Ah, c'est vrai qu'il est écouté la Fire. Hein. Effectivement, c'est normal. Hein. Ah y'a personne qui a envie de perdre à ce stade-là. Hein. T'es en top 4, t'as envie de le gagner le tournoi, tu vois. Mais bon, Bambi, là, il était un peu... Benjamin Kuroten. Oh là là. Moureva. 全てを終わらせる。